Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, comment nous y est? Jeudi, c'est vendredi 4 octobre 2024. Nous comptons rentrer la caillou et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour nous informer, pour nous partager quelques points importants qui ont dominé l'actualité. Nos derniers jours, sans yo, situation pays d'Haïti, ça a passé dans le pays, et chrétiens vivants qui ont perdu la vie dans des situations extrêmement inhumaines, dégradantes, et sous complicité, sous embâché complice autorité, en bas silence autorité, et li pas différent de ça qu'on a passé dans des pays en guerre, tant que Syrie, tant que Libye, etc. Après exemple ça, c'est pour me montrer nous gravité situation et dirigeant yo là, l'État là, moun qui représente l'État yo là, yo pas fait rien pour yo anticiper, yo pas fait rien pour yo réprimer, yo pas fait rien pour yo sauver. Responsabilité à c'est zéro barré, zéro tête marée. Son seule formule, son seul discours que yo gagné, qui côté force multinationale là absorti, qui côté étranger yo a vinn ba écoute mais pa yo, qui l'est tel pays ou tel autre a voyé contingent pa yo pour vinn faire job que nous paye yo pour yo faire pour vinn faire job que chaque jour bon Dieu mette a joui privilège. Yo a gagoté l'argent au plus haut niveau de l'État sans que yo pa jam fait rien. Pour rappel, m vle nous connaître ça, m vle nous souligner ça pour ne pas jam oublier ça. Yon dirigeant qui efficace, yon vrai dirigeant, li pa nan fait promesse, yon vrai dirigeant, li pa nan fait show off, yon vrai dirigeant, li pa li agit. Yon vrai dirigeant li agit parce que c'est action dirigeant qui doit parler pour lui, mais plutôt c'est pas nan faire annonce, c'est pas nan faire promesse, c'est pas nan montrer que le pral agit, mais plutôt c'est action qui doit parler pour lui. Et dans ça qui passé dans département la Tibonite hier jeudi, et principalement dans Ponsonde côté gagné plus passé et 50 chrétiens vivants qui perdu la vie. Nèg exam yo te annonce, y a vin attaquer, y a vin touye, y a vin vandaliser, y a vin mettre du feu, y a vin violer, y a vin kidnapper, y a vin assassiner. En toute quiétude, tête frette, tête reposée, yo descend pour sonder, yo fait exactement tout ça yo te annonce, tout ça yo te dit, yo gagné pour yo faire. Et pas bon la caille par nous dirigeant yo bon habitude, c'est les cabrit fin passer, y a prêt les fermer barrières. Et je ça toujours fait, eh bien, équipe primature, l'équipe gouvernementale, là, non premier temps, yo déploré, nous pral partager intervention premier ministre, intervention président avec nous, yo déploré, et après yo fin déploré, yo annoncé. Mais les actions encore, et actions yo prend temps pour y arriver, actions yo pas caractéri aussi rapidement que nous te ka espérer. Mais nous pral gagner quelques détails. Non, OEA, hier, Haïti signé un accord avec pays Salvador sous l'ordre président salvadorien Nayib Bukele. Côté Salvador officiellement il a annoncé li pral gagner pour débarquer pour déployer contingent PAL dans force multinationale. Nous gagnons détails, nous gagnons quelques points importants dans dossier si là pour nous partager avec vous supposé qu'on est et qui sa bagaille yo décision qu'a prend accord kap siyen nan non paysan nan non peuple haïtien bagay sa yo doit intéresser yo doit concerner nous gagnons pas François l'église catholique qui mandé pardon c'est un bagay historique et c'est première fois ça fait côté yon pape qui représentait l'église catholique reconnaître implication yo mêlé jouk nan zo jouk nan mouel nan créer yon système esclavagiste nan pays yon nan favoriser colonialisme nan créer division nan créer antiras etc etc donc pape François li te gagnen pour te adresser et pour te mander pardon et bien nous pral gagnen autant d'informations autant de détails pour nous connaître véritablement et qui sa bagay yo ye, et nan ki point des dossiers qui concernent Haïti, nan ki point yo ap évolué. Déjà, m ap invite ou même qui fin k tombe sur channel là, pas hésiter, abonner, activer ti cloche de notification. Comme ça, ou ap rete connecté avec nous, ou pas rater aucun nan vidéo de formation. N'ap genye pou nou poste yo, et faut mwen di ou là, ou sou tak 509, tout haïtien connecté. Compatriotes haïtiens, frères chèm yo,
Et ben yo compliqué, et ceci et à plusieurs niveaux. M pa vle parler de complications net alcoolé, mais bagay yo compliqué tout bon. OK, bagay yo compliqué tout bon et nous t'a supposé ouais des engagements qu'a prendre, effort qu'a fait. Mais plutôt, et c'est encore des promesses, encore des annonces. Mais population, moun la Tibonite, moun Ponsonde, yo soif sécurité. Yo soif on aller mieux, yo soif on la vie mieux. Et m'pral mené nous font coup de pied, nan Ponsonde, nous pral wè, comment bonheur, matin, et population te vin accueilli, et contingent, policier yo, qui sorti Port-au-Prince, qui débarqué dans département la Tibonite pour aller toke kon, entre guillemets, oui, pour aller toke kon avec bandi yo. C'est pas ni hier ni jodi, on gagne plus que 3 ans moun yo a placé SOS. Yo a cherché directeur départemental la Tibonite là. Paul Mena tant kou moun k'ap passé dans le soleil, c'est hihi tant kou on vivi. Pas jamais gen aucune disposition qui prend véritablement pour mettre sécurité dans département la Tibonite. On département ou tant des anciens députés Victor Profane qui créé gang griffe. C'est ancien sénateur Yuri La Tortue qui créé Kokorat Saras. Et puis, que te population, que te appareil justicien, gade m'nanje, map gade m'nanje. Tout politicien sa yo ap mache sou moun gros midi. Minu yo ta kou lougaou nan la ri. Yap fè politique, yo nan ekonomi peyi an, yap brase, mais yap touye moun tout parce que si yo ka distribuye zamak bal, eh bien, yo ta complice que neg sa yo qui pesait gâchette là, qui pressait les têtes là, donc pas de différence, toutes ces gang pour gang. Donc on va suivre ensemble avec moi comment ça t'est non, et non pour sonder côté la police rivé et pour venir aider population. Voilà. Mon yo vini là, y a propre commissariat, nous est commissariat, c'est rage que t'es levé là-dedans. Parce que le commissariat est sous contrôle bandit, bandit mette la police dehors. Donc on y a moun yo retourné. Policier yo retourné là, population vini, y a coupé zèb, y a fait ti propreté. Parce que moun yo senti là plus ou moins y a pour prendre confiance. Est-ce que c'est vrai Jésus? Pour combien de temps blende ça yo? N'a pas gardé. Elle a grave. On est content. Donc là, on a regardé son combat, son véritable combat. On est content. On est content. Voilà. Là, nous avons son équipe. Haïtiens sont équipe moun qui te soif ouais la police. Son équipe moun qui te soif en présence policière et pour yo te ouais la police sous site là, la police présent. Là, yo nan commissariat Kafou Pey. Son commissariat bandi te mette la police dehors. Bandi te mette la police dehors car remarque ti zone nan la désert. Ou comprenez?
ou garde ou c'est rage qui prend zone là pour qui ça parce que la police t'écrase rak la police te la gepiel. Si la police qui sont symbole d'autorité si la police présence li vle di gen chef la gen autorité la policier la gepiel. Donc comment pral mande simple citoyen pour rete vivre là s'il rete il rete c'est deux bagailles oui li rete soit parce que le bagage l'autre côté pour l'aller li accepter pour bandit terroriser ou bien tout simplement soit parce que li te kan complicité avec bandit mais n'a gardé là moun yo yo déserté moun yo lagué pied parce que yo pas choisi dans complicité avec bandit dans tête avec bandit obligé lagué pied yo et où est son jeune qui désert où est son jeune qui blanche kounye a les nèg zam yo fin débarquer yo touye moun yo débarquer plus que 50 chrétiens vivant perdu la vie yo plus que 70 ou 80 l'autre couché sous cabane l'hôpital c'est là ça m'a regardé compatriote moi yo la primature premier ministre Ariel bon qui dit Ariel dit Koni parce que m'a pas différence non Gary Koni la primature yo mette yon note de yo yo mette yon note de yo pour yo déplorer ah oui yo fin déplorer yo annoncer et puis et nous garder là véritablement nous té wè gagné un convoi qui débarqué là gagné plusieurs blindés qui débarqué non et département la Tibonite un département côté que depuis plusieurs années moun yo a mandé la police vinn prendre contrôle département yo pas capable mais tout moun bras croisés depuis bagaille là depuis la croix pas arrivé la caillou. Depuis bagay la pa tombe nan jeyo ki te mele yo. C'est comme ça la Tibonite gâté. C'est comme ça on paquet l'autre commune gâté nan Port-au-Prince parce que gon logique depuis il pa rive la caille moi ça pas concerné. Depuis il pa moi yo fait crier bagay comme ça pa gade. Non. Eh bien c'est nan konsa n perd du pays ya oui. Et nan konsa n perd du pays ya. Nous gagnons la primature équipe Gary Koni yo. Qui pensait yo ka bay peuple la nana pou sizan yo ka continuer et passer nan bêtise ou comprenn nèg yo ap amadoué y a fait moun dormi et c'est ça que fait nan commencement émission m te clair sou green bagay m di nou le m'ap di nou encore vraie autorité autorité qui efficace bon dirigeant yo pa ni annoncé OK yo pa ni annoncé yo pa ni faire promesse yo poser action. Sou nan annonce ou a vini, bandi a pral fè tout sa l'konne, oui ni même pou l'kontre kao. Bandi a pral fè tout sa l'konne pou l'defen ni. Sou fè promes yo pa jom atéri, promes yo pa jom effectif, ki son mande population, non ki son mande moun yo kwe la. Ok? Se action yo. Si jounè jodi yon, ou pose action na pouè la, tout moun apouè la denawe yo, parce que moun yo apouè genye des avancées considérables ki fèt. Compatriotes haïtiens frères chèm, bon li pour nous. Port-au-Prince le 3 octobre 2024. Premier ministre payan, Dr. Gary Koni, li exprimé le nom gouvernement et pigou indignation rien, il condamné avec pigou fermeté et incursion ça et poté bourré ça bandi yo fait. Aye jeudi 3 octobre, depuis 3h du matin, membre gang armé qui pote nos grand grisio dans sa vient faire sous localité Ponsondea. Et Ponsonde qui situé entre commune Saint-Marc et Lester dans département la Tibonite. Attaque ça qui sont attaques sauvages qui causent la mort au paquet moun qui blessé qui la cause un paquet l'autre blessé et bien nouvelle ak violence ça qui visait des civils innocents li inacceptable et li exige le mandé une réponse urgent par bon côté l'état et l'état coordonner pour le bail réponse là. N'a continuer premier ministre exprimé sincère condoléances li voyer condoléances li bay famille qui victime yo et li assuré yo yo même ak tout l'autre moun ki soti blessé yo ak tout proche yo que l'état campé par bon côté yo nan moment noir ça nan moment terrible ça face avec situation dramatique ça face avec bagay catastrophique ça qui pa gen nom ça gouvernement li immédiatement prend tout disposition nécessaire yo pour renforcer capacité l'hôpital public Saint-Nicolas dans Saint-Marc. Kote gon quantité moun ki blessé k ap pran soin nan moment gen ressources logistiques que
premier ministre mobilisé avec et ressources médicales supplémentaires yo mobilisé pour yo garantir que prise en charge yo fait bien et yo fait de manière optimale. La police nationale d'Haïti intensifié tout effort la faire. Ça veut dire la police nationale d'Haïti li multiplier effort la faire là le plus vite. Non moment n'a parlé à là. Gen agent unité anti gang UTAG qui déployé calpoté renfort ba équipe qui était déjà sous place. Pour yo al traquer bandi gang gang Savien yo qui actif dans la Tibonite. En plus, gen des unités spécialisées dans PNH là. Gen moun nan force multinationale là. M'a parlé nous de moun mission yo, moun Kenya yo, moun Jamaïque yo, moun Belize yo qui là. Eh bien qui ont même yo quitté Port-au-Prince hier soir. Yo prend direction tête droite pour la Tibonite. Yo traversé route Canaran. Oh PM, yo traversé route Canaran. Mes amis, premier ministre Garry Conille, il méritait pour nous battre bravo pour lui. Est-ce que nous gens moun yo prend soin pour yo di gon convoi hier soir qui traversé route Canaran pour aller porter renfort. Là, mettez précision pour yo di yo traversé route Canaran. C'est pour yo ka fait pays en connaît que yo rivé passer Canaran, yo passer Canaran. Si convoi a passé Canaran, ça veut dire est-ce que PM ça veut dire nous même tout des civils innocents qui pas rien pour à gang qui pas pour dire est-ce que nous même tout nous passer Canaran après la police une passer sans risque pour yo attaquer, kidnapper, touyer, blesser. Est-ce que nous ka faire tout PM? Est-ce que nous ka faire sa policier ou saute faire la PM? Non. Réponse c'est non, pas le prendre chance. OK? Pas le prendre chance. On continue. Et gen l'autre unité spécialisée qui a préparé pour yo quitter Port-au-Prince, y a gen pour yo faire voyage dans hélicoptère et gouvernement haïtien, oh, gouvernement hélicoptère. OK, pour yo renforcer et avancer, pour yo renforcer davantage opération qui a mené dans département la Tibonite. Garry Conille continue pour le passer pays en bêtise, pour le passer mon département la Tibonite dans tétin dans farine, li réaffirmer détermination sans faille gouvernement pour restaurer sécurité à l'ordre public sur tout territoire national. Criminel qui responsable zak abominable za yo, y a traqué yo, y a poursuivi yo, y a traduit yo devant la justice sans répit. Et puis yo te dit Victor Profane comme député qui t'a bay zam, qui t'a bay bal, qui crée gang griffe, puis m'pa tande nous poursuivre li. Nous pas traqué sans répit, li continue à faire business clairel. Li continue à faire politique dans Port-au-Prince, nous pas traqué. Yo dit yo la torture. L'homme tortue dit c'est lui créé gang kokorat sans race. Rapport Nations Unies sorti. Yo sanctionné, yo bal ti tap sou domé et puis la justice en Haïti yo pas traqué, yo pas poursuivi sans répit. Eh bien gon catégorie gang n'a poursuivre, gon catégorie gang n'a protéger. Nous comprenons oui PM. Nous comprenons. Gon catégorie gang n'a poursuivre, gon catégorie gang n'a protéger. Chaque moun gen groupe gang pa yo, chaque moun a protéger groupe gang pa yo. Pas dou pas connait la société. Pas d'où pas de connaît. On continue. PM n'a parlé toujours. Gouvernement ak partenaires li yo nan international la yo préparé yo entend yo pour yo intensifier action y a posé pour yo rivé éradiquer effacer toute qualité menace pour yo rétablir la paix dans toute zone qui en bas et mes bandits qui touchés par insécurité. Premier ministre Garry Conille il lance un appel à l'unité nationale, à la solidarité du peuple haïtien envers les concitoyens affectés par cette vague de violence. Il réitère engagement gouvernement pour travailler sans camper, pour ramener sécurité, restaurer l'autorité de l'État, protéger chaque grain citoyen n'importe côté yoyé sous territoire national. Ça c'était premier ministre Garry Conille qui t'a parlé en pile français, qui t'a plagué en pile charabia, comme quoi tout va bien, tout bagaille sous contrôle, si nous t'a dû reprendre équipe Ariel Henry. Voilà. Depuis plus passé 3 ans, moun la Tibonite a placé SOS a mandé l'État, vin ba yon ti coup de main, a mandé mouche l'État, vin camper pour yo, vin camper avec yo, vin défend yo. Kont bandi, kont gang nan la Tibonite, soti sou Ariel ki pa tre gran merde,
qui te voye un bon matin, qui te voye un paquet blindé comme ça, le fait show off, le fait foulaille. Et puis après 2-3 jours, yo quitté département, yo rentré Port-au-Prince, après c'est moun la Tibonite qui te mène en tête. C'était moun Lester, c'était moun de Chapelle, c'était moun Liancourt, c'était moun Kafoupey, c'était moun Ponsonde. C'est yo qui t'a prélé en bas bandit. OK? Donc Gary Koni, gouvernement monté, c'est pété installé, directeur départemental là, changement fait, m'pa jamais entendre rien qui dit pour la Tibonite. Blindé sous blindé vini. Équipement sous équipement vini, commissariat toujours fermé, fermé Liancourt. Commissariat te fermé pour sonder. Commissariat fermé Kafoupey. Donc là on pral di m'te bon volonté, quoi volonté a? N'est pas voyez si pas gen volonté pour résoudre sécurité. Adje, nous pensons que nous avons volonté pour résoudre la sécurité. Si vous avez volonté, compatriote haïtien frère Chem, nous tapons. Ce n'est pas comme ça, bagay yo ta fait. Bah, yo pas ta fait comme ça. Comme si nous voulons. Bagay yo pas ta fait comme ça. Comme insécurité a l'gen met. Comme insécurité a, ce n'est pas un coup de zèkle kalel. C'est député ak sénateur. C'est président, c'est premier ministre. C'est magistrat yo, c'est secteur privé, c'est politicien yo, c'est haïtien de mauvaise foi yo, mauvaise orgi yo, c'est yo créé insécurité ya. Eh bien, si nous kon moun sa yo, nan politique, nan oligarchie, nan international qui contribue nan créé insécurité ya, eh bien, dwe gon bagay ki dwe fèt. Dwe gon bagay ki fèt. Dwe gen des dispositions qui prend. Dwe gen des poursuites qui engagé. C'est dans ce sens que nous avons Jovenel Moïse, petit ancien président Jovenel Moïse, qui a été assassiné dans le système de Nanteboya. Eh bien, Jovenel a décidé de rentrer dans la bataille et faire une proposition admirable, ah oui, qui est très intéressant, pour arriver à jouer une bout oligarque corrompu à tout politicien criminel à tout faire, qui met des armes à balles dans mes nègres. Dans mes jeunes femmes, dans mes bandits yo en dedans pays pour augmenter, pour multiplier violence criminelle yo. Qui sa proposition Jovenel Moïse yé? L'important pour nous attendre ensemble avec moi et qui sa Jovenel lui-même li gagné comme message. En nous aller. Y a un ami qui voyait deux vidéos pour moi suite en conversation que nous avons ensemble avec lui par rapport à comment la situation est en Haïti. Surtout au niveau sécurité, surtout avec histoire gang et tout ça. Je dis mais écoute, m'pa mais partager vidéo ça, mais m'avoue pour cap comprendre un peu Jean Barry a passé dans pays. M'avoue que un peu déconnecté pour besoin personnellement. Yeah, et justement dans deux vidéos ça, au moins ouais. Deux actes inhumains côté que des nèg camp ensemble avec des fusils d'assaut Galil T65. Il a tiré sur une série de monde qui pas armé, qui gain temps à terre, qui marre. Tu tires de vive voix ou filmer et ou regarder nèg yo cap pisser sans saute dans bouche yo just détruit deux trois vies comme ça et monsieur dit c'est ça fait sur en base régulière dans pays. Donc premièrement pour moi me dit c'est que faut suspendre les nèg ça gang, changer narratif là, c'est pas chef gang yo, c'est terroriste. Il a détruit vie, il a fait des crimes contre l'humanité de façon tout à fait écoute sans aucune gêne et a fait pour raison personnelle yo. Donc c'était terroriste, OK, c'est définition ça que nous gagne pour terroriste dans charte international yo. Donc nous gagne affaire à terroriste parce que si nous changer narratif on a géré le différemment, OK. Maintenant ça mène dans l'autre question et pour qui ça nous penser que conseil de monde que nous connaît clairement qui était participé dans armée bandit au tout début nan payer bandi pour yo bloquer Matisse par exemple pour inauguration parfaite, nan payer bandi pour faire massacre et jodi an bandi yo vin autonome à un certain niveau, pas besoin input ça encore, pas besoin moun ça encore pour bailler au financement, pour bailler aux armes, pour bailler tout ça, mais c'est eux-mêmes qui t'ai commencé. Et pour qui ça me passe moun ça au fait les gars encore qui continue à faire jodi, mais c'est parce que juridiction nationale yo faible. Juridiction nationale, nous, hein, justice, on n'a pas le système judiciaire, là, nous faibles. Nèg yo, juge yo, pas touché dans le niveau pour être supposé touché. Et y a fait pression sur avocat, y a cassé et bureau juge yo, lè yo vle, y a tiré sur machine juge yo.
Et ça c'est pression que nous ouais, une pression qui a fait sur que nous pas même cap boire. Donc ça veut dire monde ça est impossible vraiment estimer que tout puissant. Excepté deux trois sanctions qui sorti sur états sur États-Unis l'autre jour nous un rapport qui sorti par exemple qui dit qui montre nous que et nos anciens présidents justement qui t'es dans vente drogue qui t'es dans bail arm financé gang, OK? Même si rapport on estimé t'es très on dit protecteur, on prend très réservé, yo t'es cabalé dans bagarre jusqu'au fond. Mais ensuite qui ça qu'a fait? Qui juridiction qui pral prend citoyen ça en charge pour faire ou payer pour ça ou faire? Pour tracer un exemple, pas dans quelle juridiction qu'a fait. Et c'est là nous avons une institution qui relait CPI, Cour pénale internationale qui supposé rentrer en jeu. Lorsque nous vivons dans des régimes côté que gain crime de guerre, gain crime contre l'humanité, lorsque juridiction nationale ou juridiction régionale n'est pas assez fort et indépendant pour prendre des dispositions contre moun sa yo qui pose genre de acte sa yo, c'est là ces pays entre lui-même en action. Lui-même juridiction, c'est quasiment tout pays qui fait partie de ces pays hein, et yo essayer dans la mesure du possible pour rester impartial, yo mène une enquête qui est intransigeant, yo mène une enquête qui fait qui permet que aboutit à une série de résultats, et à partir du moment que résultat enquête là fini ou gagne jugement qui baille mon gagne ou gagne tout exécution jugement yo capable faire arrêter mon nan quasiment dans n'importe pays que lié côté justement pays ça fait partie de ces pays. Donc ça veut dire son game changer, c'est venir mettre nèg sous pression, c'est faire comprendre que action que a fait et comprendre l'aime dit nèg m'a parlé de monde qui estime que super puissant, mais m'a parlé tout de état conseil de état qui soi-disant allié Haïti qui très fort mais qui décide de faire ça et ouvrir un pays hein, parce que pas gagne monde qui a regardé. Un point exemple qui simple, gagne zam qui aboutit nan men terroristes en Haïti qui gagne initial écrit sur yo propriété du gouvernement américain. Et pourtant, le gouvernement américain pas senti le dérangé par rapport à ça, pas gagne enquête qui mené, pas gagne résultat bail pour dire comment zam ça ou fait arriver là. Donc ça veut dire l'aime dit nèg yo m'a parlé de monde individuel, même parler de état tout, OK? Donc ça veut dire ces pays en mesure pour venir faire nèg ça prend responsabilité pour venir faire comprendre que ou pas ka juste décider faire ça ou voulez ou tuer quantité moun ko voulez et puis pas gagne moun k'ap fait enquête sou, c'est pas ka juste sanction interdiction de départ pour mettre sou nèg, non, il pas fonctionner comme ça. C'est résultat enquête nèg y a pris prison ferme. Ça mène à ma dernier point qui gagne pour ouais ensemble avec assassinat papa 58e président. Même gens que ça fait en Afrique plusieurs fois, ils ont rentré ou assassiné président, comme c'était le cas de Burkina Faso. Mais l'autre jour là, ils ont fait arrestation. Ils ont un responsable. Ça prend 30 ans. Dans cas pas nous, pas prendre 30 ans. Ça va aller beaucoup plus vite parce que nous, l'autre ère, nous dans l'ère de l'information. Quel jour disons qu'après chita m'balance ma veine, nous en 1987-88, c'est pas possible. Donc voilà, c'est possible justement pour nous résoudre ce genre de problème ça. Et comment ouais que une série de signal cap sorti du côté de conseil présidentiel là qui montrait que gon certaines proactivité que ont envie de montrer, et ben mes quatre yo pour jouer ratifier ou signer finaliser accord que nous gagnons avec ces pays hein, et gagnons justement conseil d'avocat dans ces pays qui paraît moi en contact ensemble avec eux qui paraît pour travailler sur Haïti hein. C'est pas bypasser n'a bypasser système juridique qui est pas noir. C'est aider n'a venir aider premièrement, et deuxièmement nous prenons la mesure pour nous pour conseiller de enquête qui fait, OK, de façon impartiale pour porter vrai résultat pour marrer moun que vous supposez marrer pour ça qu'a privé nous ou bien ça qui saute privé nous dans dernière année. L'impossible nous pas pour compte nous pas de bras ballants. Si conseil présidentiel voulait rendre nous en service actuellement par rapport à situation insécurité, situation zame qui circulent dans pays sans moun pa ka konn qui est cap faire rentrer, ou bien on connaît mon pa ka manyen moun qui fait rentrer, ou bien on connaît qui moun qui participer dans assassinat président mon pa fouti manyen yo, ces pays ces réponses à question ça. Si conseil président envie fait yon on bagay pour aider nous, envie poser un geste pour aider nous dans mandat que yo gagne en plus de organiser élection qui supposé justement et on dit honnête et équitable, yo met ajouté dans mandat yo finaliser accord que nous t'ai commencé avec ces pays
pour nous capables venir tourner en juridiction qui en bas la Cour pénale internationale et le ça nèg sans foi ni loi état sans foi ni loi qui pensait yo capable juste entre Haïti yo tuer quantité moun que yo voulez yo filmer tête yo pendant que yo fait yo vanter tête yo pour dire c'est même qui tuer président ou bien yo quartier président pour nèg ça yo nous faire payer pour crime que yo commet yo CPI Cour pénale internationale. Moi-même avec association Ali, nous pral prendre disposition côté que premièrement on a écrit conseil gouvernement, c'est pas juste une vidéo m'a fait mettre sur réseaux sociaux. On a écrit conseil et présidentiel là pour yo connaître mes côtés parce que m'gétan gen avocat qui a fait travail ça là pour nous connaître mes côtés accord CPI en côté le rivé, mais qui ça cap fait d'un point de vue légal et constitutionnel. OK? Et mais qui ça période que nous vivons là permettre nous faire parce que non période de crise, vous comprenez? De toute façon conseil présidentiel c'est pas un bagage qui était prévu dans la constitution. On est en train justement n'a créer une série d'institutions pour nous capable répondre à besoin que nous avons actuellement là. Donc nous pas capable cacher des constitutions pour nous dire bon écoute nous pas capable faire ça parce que constitution non please pas là il pas fonctionner. Et avec association nous allons faire une campagne de sensibilisation pour faire mieux comprendre qui ça c'est pays hein. Pour montrer moun yo tout mais qui résultat ces pays en habitude bail. OK? Et en plus pour nous justement si n'était qu'à aboutir dans mois qu'a vini yo avec un accord entre gouvernement haïtien conseil présidentiel là avec la CPI qui pral li même pita mette en pression sur vagabond sa yo état ou individu qui décide fait pays nous en tourner yo nightmare man fait payer en tourner un cauchemar nous cabrangel non pas des bras ballants mais comment on fait voilà nous s'attendait là et Jovenel Moïse qui lui-même li gen une proposition la travail sous lui comment le ca continuer avec des marches pour Haïti et ta finalement intégré ce pays pour nous garder comment nous te ca river poursuivre acteur yo pour nous poursuivre et moun ki responsable de tout crime qu'a fait là crime sa yo c'est des actes de terrorisme c'est crime nous quand même qualifié de crime contre l'humanité et parce que ba yo à l'échelle internationale bon qualificatif gè des qualifications bien précis et que ou ka fait pour des séries de infractions donc c'est là Jovenel Moïse lié moi m'rete quoi journée jodi an gè bagay ki possible que nous ka fait mais notre démarche que Jovenel après entreprendre nous là le font râler extrêmement important sur question zam nan zam ça qui c'est des zam de fabrication américaine par exemple zam qui gagne tag qui gagne toutes informations zam peut-être que qu'on utilisé dans l'armée et américaine qui atterri dans même bandi comment yo fait arriver dans même bandi donc van zam flux zam illégal qui rentre dans pays an, et quantité balle qui rentre en Haïti. Donc États-Unis gagne un rôle pas oui, c'est nous même en Haïti qui doit gérer question sécurité, hein. Question sécurité, c'est ça qui fait tout temps parler de sécurité nationale, li doit propre avec autorité pays nous avec dirigeant pays nous, l'état pays nous. Mais pas oublier si n'a pas d'une partenaire Haïti, nous ses amis Haïti. Sous ses amis et puis ou mettre profit, ou boycotter, me pas de me penser ou aider et puis c'est ou cap craser, ou pas amis. On va prendre pas en même. Mais comme bagaille qui est important, quoi aspect qui est important. Parler de coupe dans l'international pour nous t'asseoir poursuivre et des personnes physiques pour nous t'asseoir poursuivre des pays etc. qui gagne au même complicité ou qui est impliqué dans actes terroristes qu'a fait en Haïti. On pays tant que États-Unis. Et États-Unis pas parti non de convention de traité qui crée ces pays là yo pas ciel donc comme États-Unis participer si y a des séries de pays qui a poursuivre par exemple ancien président ça sous sol américain dirigeant américain lui a promettre li bay autorité compétente pour la répondre question devant la Cour pénale internationale mais États-Unis dit étant donné que
disposition qui crée la Cour pénale internationale, yo, contraire avec la Constitution américaine. Il même ne va pas ratifier. Parce que le pape a autorisation pour poursuivre des citoyens américains. Vous comprenez? Pour l'autre pays condamné poursuivre des citoyens américains pour des actes, pour des faits qui répréhensibles les États-Unis alors que vous avez poursuivre les États-Unis. Donc, les Américains li assure que le protège les citoyens, les protège les ressortissants dans n'importe situation que li a pour n'importe fait yo te ka reproche lan li pa livre le bail mais ici pa bon la caille pa nous pa wè grand journée comment yo vinn boté moun yo avec yo nous pa wè comment yo te vini yo an karité ancien sénateur Guy Philippe al avec li parce que malgré constitution nous reconnaître nous pa yen droit extrader nous pa yen droit livrer ressortissant propre pays nous propre petite terre nous bay l'autre pays nous passer matière sous constitution comme les États-Unis ouais nous te signé convention avec yo ou comprendre et puis nous chita extrader ressortissant haïtien bayo en bayo sans autorisation sans respecter constitution rien donc là et vraiment penser que proposition Jovenel Léon li ka aider parce que gros paquet rou libel la gros paquet nèg ki a l'aise yo fin créer gang yo fin bay gang tete yo fin faciliter violence et puis nèg sa yo pense yo intouchable yo pense yo pa ka manyen yo soit parce que yo ta fait job pour États-Unis yo c'est pour les américains donc yo connaît yo intouchable mais leur gen possibilité pour poursuivre moun nan à l'échelle internationale et surtout si gen possibilité pour lutter contre question et justice faible en Haïti nèg yo a fait ingérence dans système justice haïtien et bien aux États-Unis malgré nous a gen ti ingérence qui fait tout dans ces pays parce que récemment soit gen mandat d'arrêt yo mette contre des dirigeants israéliens États-Unis li contesté mandat que ces pays te mette des dirigeants israéliens ça veut dire États-Unis a toujours cherché en façon malgré le pas partie de et convention de traité qui crée ces pays qui baille ces pays naissance mais il toujours assuré que li intervenu li fait ingérence si pour le protéger aliel pour le protéger moun pali donc en dépit de toute situation justice son élément son élément est fondamental son élément important son élément clé dans toute société nous qu'a fonctionner dans tout pays nous qu'a marcher donc ça il était important pour nous partager détails ici là avec vous. Et nous gagnons toujours dans question insécurité hein, nous gagnons pays Salvador et qui eux même yo annoncé yo paré pour yo venir en Haïti là puisque gagnons et accord qui signé entre dirigeants haïtiens et des dirigeants salvadoriens. Et nous gagnons président Salvador là Nayib Bukele et qui lui-même lui ordonné lui passer l'ordre avec ambassadrice Wendy Janet Acevedo Castillo qui est représentante permanente et République d'El Salvador auprès de l'OEA organisation État américain côté hier jeudi hein, lui-même avec ambassadeur Gandhi Thomas qui est représentant et AI Haïti dans OEA yo parafe yo siyen yon accord et accord ça c'est soumission multinationale d'appui à la sécurité en lié côté que sous instruction président salvadorien Nayib Bukele eh bien et gagné processus gagné des démarches qui pral entreprendre pour Salvador envoyer des troupes en Haïti dans cadre mission multinationale. Et Nayib Bukele fait connaître que accord ça yo joine avec Haïti hein li marqué une étape importante une étape clé dans bataille yo a mené contre violence ak zam qu'a fait dans pays hein qui a ravagé peuple haïtien et que troupes salvadoriennes yo et yo même qui très réputé qui très reconnu pour expertise yo gagne dans éradiquer dans balayer dans quand de dire ça dans effacer dans stopper et bandi gang criminel yo et bien yo impatient pour yo déployer force ça yo pas qu'attendre pour yo venir aider Haïti combattre insécurité pour yo venir renforcer capacité et sécurité locale yo et pour yo porter soutien concret yo bay autorité haïtienne yo parce que climat insécurité qui en Haïti li suscite de vives préoccupations tant au niveau national qu'international et comme acteur qui a coopéré avec Haïti yo supposé jouer rôle pa yo mais quand ba lan ti jan flou. Et c'est que nan akor sa, compatriotes moyo, oui troupes yo paré pour yo déployer mais pas gagné ni date qui baille ni jour qui baille ni durée et mission hein.
ni ça yo ap gagner pour yo faire véritablement dans cadre collaboration si là. Donc même gens Guinée fait li dans l'Assemblée générale des Nations Unies yo di yo paré pour déployer 700 et policiers guinéens, yo pa bay ni jou ni date. yo ap ton pour processus sa fin et achevé avec dit faut que konn pou combien comme yo là. Nous comprenons, bah yo pa piay non. Ay yo pa piay, yo pa gratis. Et nous gagnons Guatemala qui dit le paré pour voyer 150 même bagay. Yo ap ton faut ti akwasien, faut que konn pou combien comme chaque tête guatemaltèk yo pral touché. Yes. Kounye a Salvador dit li même li paré, il pa bay effectif. Et il pas bay ki le déploiement, il pas bay durée y a passé en Haïti. Yo ap tann pou bagay yo finaliser. Ça veut dire compatriotes haïtiens frères et sœurs, n'ap tann nou ka tourner pour attendre ak gouvernement ça, 18 mois ka passé rien pas fait et le pou yo ta fait élection quand même dit non, insécurité pirèd. C'est nous gen volonté pour nous faire élection mais à cause insécurité a rien pas la fête et cetera, nous parti pour on quatrième transition encore. Pas prendre notre troisième transition, pas connait. Parce que nous, sommes nèg plus pour plaisir dans question transition. Donc, Salvador, président Nayib Bukele, yo même, yo gen position yo, et nan question force multinationale là, et yo annoncé yo paré pour yo aider Haïti. Nous gagnons nan dossier religion, nous gagnons Pape François. Nous gagnons l'Église catholique, j'en ai constaté là. Eh bien, yo intervenu pour yo mande pardon. Pour yo mande peuple haïtien pardon, pour yo mande toute nation nan monde là qui te gagné esclavage là-dedans, qui te gagné colon t'a oppressé, qui t'a torturé, qui t'a mutilé, qui t'a fait travail tant coup bête pour exploiter nous. Eh bien, papa mande pardon parce que l'Église catholique te mêlé jouk nan zo nan processus et esclavage nan processus colonisation yo. M'bral li pou nou très rapide ki sa ki di nan article si la. Lors de l'ouverture d'un synode sur l'avenir de l'Église, Pape François, par la voix du cardinal Michael Snozny, a reconnu la complicité de l'institution dans des systèmes ayant favorisé l'esclavage et le colonialisme. Ce geste, accompagné de 6 autres demandes de pardon, marque un tournant historique dans la manière dont l'Église aborde ses responsabilités passées. Donc, l'Église catholique, grand ensemble de l'autre bagaille qui dit dans le texte, mais au final, il a fait connaître ses premières fois l'Église catholique, il a reconnaît participation dans l'esclavage, dans le colonialisme, dans ça qui gagne pour avec faute contre la paix. Et gens yo déshumanisé, yo démonisé femmes et peuple indigène yo, question migration, enjeux sociétaux yo. Eh bien yo mandé 7 pardon, 7 fois pardon pour 7 péchés yo estimé yo fait pendant temps qui saute passé yo dans époque colonisation, dans époque côté que te gagne système esclavagiste qui lui-même te vraiment opulent dans Europe sous continent américain là, etc., etc. Moi-même, ça voulait nous comprendre, c'est que l'Église catholique ne façon pas yo, et l'Église catholique ne façon pas yo vraiment, yo contribuer nan mette un pays tant qu'au Haïti côté lié à là. Parce que notre la colonie, pas oublier, esclaves yo, ancêtres nous yo, grands-parents nous yo. Moun sa yo te considéré comme esclave, moun sa yo te qu'on a fait travail et pour la France faire quantité économie là, pour la France vie salier journée jodi an là. Et bien l'Église catholique comment yo te qu'on utilisé yo même yo te qu'on utilisé ça yo gagné comme ça yo gagné comme pouvoir sur moun sa yo. Et bien yo te qu'on fait yo comprendre que toute oppression colon toute oppression mettre te qu'on a fait sous esclave yo te qu'on fait yo comprendre son bagage qui légal ou comprendre sous péché mettre la ka et sanctionner là qu'on fouille tout mettre esclave yo vide si yo sous tête yo c'est ton bagage qui était légal parce que ou péché faut yo bo sanction. Donc l'Église à l'époque yo te joué un rôle côté que yo t'a opprimé moun yo psychologiquement te qu'on a fait des violences émotionnelles sous esclave yo. Vous comprenez, yo te qu'on a fait moun yo accepter torture yo, a fait moun yo accepter mutilation yo, ou essayer sauver yo coupon pio. Oui, c'est punition parce que c'est châtiment parce qu'on fait ou désobéi,
Vous comprenez? Ou désobéir, ou manquer respect à grand monde, à mettre tout. Ou pas de faire ça. C'est comme ça l'église catholique à l'époque, yote qu'on a démonisé moun yo, yote qu'on a fait violence psychologique sous moun yo, yote qu'on a réduit, minimisé moun yo. Donc, je ne dis pas, c'est quel esclavage ça? C'est quel esclavage ça? Yon pas qu'à effacer dans le livre histoire yo. Yon pas qu'à effacer dans l'histoire nous comme peuple, dans l'histoire nous comme moun, dans l'histoire nous comme nation. Si yon te capable, yon tape effacer. Mais en dépit de tout ça, yo te kon fè nou, de toute violence, yo viole mesdames yo, yo viole femmes yo, yo viole tifi yo, yo mutile, yo coupe pied, coupe poumon, yo bat nou, fè nou travail 7 jours sur 7, etc. Le nou rive finalement, nous flanke yo de yo, nou bat yo, yo fè nou paye pour yo reconnaître indépendance. Donc, l'église catholique, et le yo di se son première fois, son bagay ki historique lan, accepter, reconnaître publiquement tout ce qui a gagné dans le colonialisme, dans l'esclavage, dans le système esclavagiste, véritablement, son grand pas pour nous-mêmes, nous noirs, pour nous-mêmes, nous avons exploité, nous avons dominé, parce que je ne dis pas, avant prêtre catholique, parler avec mon père, il y a un ami qui prête, ce n'est pas ça le problème. Non. Longtemps, yo pas de jamais accepté tort yo. Moi même qu'on a parlé avec des séries de moun, yo dit non, c'est comme si yo voulait fondre décatation, ça t'est passé longtemps avec Junior, je dis c'est pas même bagaille, voilà. Et voilà, pour nous avancer dans le futur, faut que nous songe passé, nous faut que nous vivre présent et pour nous remédier à la situation. Donc, Junior dit l'église catholique, mon père mande pardon, le pape mande pardon, est-ce que nous a paré, est-ce que nous prêts pour nous pardonner? Mais si nous pardonnons, il faut indemniser nous. Il faut arriver à indemniser nous parce que et violence émotionnelle, il coûte cher. Il coûte cher parce que il y a des bagages jusqu'à présent, le map lié sous l'église catholique. Ça, l'église catholique fait pendant la période d'esclavage. Dans Saint-Domingue, il a théorisé. Nous avons pris la formule en demande de réparation par bon côté l'Église catholique, par bon côté Vatican, parce que moi-même, je théorise. Jusqu'à présent, je théorise mon père. Je théorise. Compatriotes, moi, yo, et nous avons Edia Emile qui lui-même lui parle. Il y a un message extrêmement important. Je ne vais pas finir l'émission, je ne vais pas partager le message là avec nous. Parce que je vous dis, et grand moun yo kon di lui pa gen secret nan fè kola, si pa gen secret nan fè kola, eh bien bagay yo pa wanza, fè politique pa wanza, ou pa ka dormi, ou pa ka couché, et hier soir pou leve matin un gros politicien nan ou bagay yo pa gen anza la dan. Bagay yo c'est bon sens, bagay yo c'est technique, bagay yo c'est maîtrise, bagay yo c'est bagay yo gen pédagogie, bagay yo gen principe, etc., etc. Donc si nous voulons faire pays, gen bagay nou pa ka ignorer. Si nous voulons faire pays, gen bagay nou dwe considérer. Donc nous pral tande garder ensemble avec mon intervention et professeur Edia Emile qui lui-même li te gen un message extrêmement important pour le faire passer à pays. On allez. C'est pas yon éclair qu'a font pays gen emploi là-dedans. C'est pas quoi battre mais on agriculture pays à développer. C'est pas deux coups de prière à faire et puis infrastructure pays à relever. C'est pas un bouteille à souquer et puis vous rendre compte que tout bagarre dans pays à marcher. Le développement économique est un processus scientifique. Mais nous refuser les que nous avons pouvoir, nous refuser les nous la faire gouvernance politique pour utiliser la science, pour utiliser ça dans l'école pour mettre le service de l'action. Vraiment, c'est fatra, c'est la science. C'est pas retour le bon jour et pour dire, ou dit magali habitant, et mon cob, et pour mon saoula, mettre maille au sou, et puis deux bourrettes, nous allons régler fatra dans le pays d'Haïti. Mm-hmm. C'est pas comme ça règle. Bah, il va faire comme ça. Nous voulons pour nous faire toute bagaille en désordre, en mesdames, en coup de poing, sans que nous pas jamais utiliser la science pour que nous soyons capables de résoudre le problème. Qui ça capable de la sécurité? Mais c'est intelligence. C'est information, c'est action, c'est quantité X policiers en plus, c'est quantité équipement en plus, c'est stratégie. Mais au final, toute question ça, c'est eux-mêmes qui viennent pénaliser l'économie par la suite, qui pénalisent les citoyens par la suite, qui viennent faire que ils sont obligés aujourd'hui à vivre dans la peur et dans la crasse. Maintenant, longue crise interminable ça que nous gagnons dans le pays, hein? L'ivine fait que nous vînons un refus pour nous penser. Mais ça, c'est important.
Parce que M. Damgué avec moi là, c'est des intellectuels, universitaires, étudiants ou professionnels. Crise là fait que nous avons facilité à chercher. Et nous avons gardé comportement, que ce soit CPT ou bien gouvernement Gaïkouni, tout le monde a essayé de parler. Tout le monde a essayé de faire chaud. Tout le monde a essayé de faire compter qu'on est qu'il y a travail. Mm-hmm. Et nous avons fait ça longtemps. Mm-hmm. Alors que l'autre travail, nous n'a pas aller carrefour sans pas gagner peu. N'a pas elle. Pas travail, nous n'a pas monter Titan et Prince Saint-Marc sans pas aucun grain. Ou pas même besoin faire cérémonie sans jour avec photo, avec vidéo. Je suis désolé. On pas contre personne. Mais réalité a c'est que c'est arrivé clairement avec la science, avec stratégie, avec ressources, monde, compétences, moyens, pour capable poursuivre objectif. Yo. Mais c'est pas ça qui intéresse moun yo. M pas certain les moun sa rencontre ensemble, y a réfléchi qui ça va faire pour créer travail. D'ailleurs, nous c'est un nouveau pays dans le monde là, qui pas un ministère qui dédié à la création d'emploi. Nous c'est un nouveau pays dans le monde là, qui pas un ministère qui dédié au développement économique. Nous un ministère économie des finances, tout le monde ça va faire. Son ministère des finances que lié qui là pour collecter l'argent BGI et pour capable dépenser dans le budget pour payer policiers pour payer qui ça dépenser comme pour mois de décembre. Donc on n'a pas un ministère du développement économique et l'autre pays hein. On n'a pas un ministère du travail, nous avons un ministère affaires sociales qui a géré monde dans la rue qui a bailler cop dans la rue qui a pas osé monde dans la rue qui a fait apaisement social entre guillemets qui voulait dire corruption en créole. T'as brassé l'argent. Et c'est pour ça que moi insiste pour me dire que développement économique et objectif économique, c'est des bagailles qui se posaient planifiées. C'est pas un hasard. Développement économique, c'est des bagailles planifiées avec une méthodologie, avec la science, les ressources. Mais malheureusement, le régime a changé, le monde a changé, la figure du pouvoir a changé, le nombre de ministres a changé. Rien pas changé. Machine n'a toujours pris la même direction. Et nous toujours dit ça. Nous pas qu'à changer chauffeur machine non seulement, faut changer qui côté machine n'a pas aller. Jodi a, il y a aucune vision économique. Il y a aucun modèle économique. Il y a aucun objectif économique à poursuivre. Il faut que nous clair et ceci sans appel, ça n'a pas dire. Et souvent de jodi a, c'est quoi le modèle? C'est quoi le plan? Mabzo, modèle de la pauvreté, modèle de la misère, modèle de insécurité alimentaire. Et ceci, li fondamental pour que ça n'a pas dit là, c'est des bagages en profondeur que. Et c'est pour ça que je me dis, Haïti tellement nos situations compliquées, mon réforme trop petit pour lui. C'est transformation pour nous dire. Je ne pas même dire réforme économique. Je ne peux pas dire réforme de l'administration publique. Parce que pour moi, c'est trop petit. Forme de la transformation. Qui veut dire, nous parlons en profondeur de la question pour nous suspendre, faire ça, nous toujours faire. Parce que moi, c'est même bagaille que nous faisons. Nous abordons de sécurité, même gens. Nous abordons de fatra, même gens. Nous abordons d'agriculture, même gens. Et le même résultat chaque fois. Et qui s'achifioye, nous produisons moins de riz, nous produisons moins de tout bagay, plus misère, moins de travail, plus situation et sécurité, etc. Voilà. Là, nous s'entendons, Edzier Emile, qui lui-même lui tabaye des détails. Parce que je paye en bralé là, paye, nous avons fait pays pas fait avec émotion, pays pas fait en tizami, pays pas fait à moun pa, pays fait avec science, connaissance, compétence. Mais ça fait pays. Ou basé, faut qu'on gagne, faut qu'on fait des recherches, faut qu'on utilise éléments scientifiques. Faut qu'on gagne connaissance pour utiliser matière dans n'importe domaine que vous trouvez là pour bail bon résultat. Et faut qu'on gagne compétence au final dans situation y a pour ka résoudre problème qui présenté devant là. Science, connaissance, compétence, ta yo c'est pas yo clair. Mais en Haïti qui ça nous remarquer.
politique tis ami, politique marraine parraine. Vous comprenez? C'est ça, politique retire corbon mette pam, politique à bolotio, politique militant, qui est-ce qui était dans la rue, qui est-ce qui bat dans la rue, qui est-ce qui a coupé gâteau, qui est-ce qui a joué une pigou. C'est ça nous fait comme politique. Et si c'est ça nous fait comme politique, résultat, pas attendre nous que nous prenons un gros bout de temps de résultat avec des séries de monde qui mettent. Pas attendre nous que nous jouons un gros bout de temps de résultat avec des séries de monde sans vision, des séries de monde qui parlent objectif, des séries de monde agenda pas, c'est pas changer pays, mais c'est plutôt venir faire comme. Aussi simple que ça. Donc si nous voulons résultat, faut que nous bataillons pour nous jouer un résultat. Faut que c'est monde qui connaît pour nous mettre dans poste décisionnel qui a un résultat. Donc lundi Emile parler pour problème nous gain là ne pas parler de réforme c'est transformation moi même te ka dit le plus mal te ka dit c'est craser réforme en bon créole c'est craser réforme c'est craser sa plate et puis refaire nous gon système économique qui pas bon craser le refaire nous gon système social qui pas bon là qui basé sur inégalité mettons l'état qui fort qui ka créer richesse tout le monde pas obligé riche tout le monde pas obligé millionnaire. Mais au moins tout le monde doit avoir accès avec minimum non ou doit ka manger ou doit ka l'hôpital sous bon problème ou doit ka gagner possibilité sous pral l'arriver là pour bon ticket bus ou ka payer ou gen comme pour ça li pas obligé tête nèg ou pas ka ça ka arrive ou pas ka acheter un Cadillac ou pas ka acheter on pas connait un Range Rover ou pas ka acheter un BMW etc. un Mercedes Benz. Mais sou pa ka fè ça son ticket bus ou ka payer pour 10 goud pour 15 goud son ticket train ou ka payer son abonnement train ou bon carte train pour utiliser chaque mois payer etc. c'est lou ka fè pour faire la dignité mais dans pays a yo pa créer opportunité ça même c'est riche pauvre moun ki te intermédiaire yo krasé yo plate ak kidnapping yo krasé yo plate nan vandalize position nan fè manifestation si Jovenel pa ale a mouri André Michel complice Steven Benoît la tortue yo tout te complice c'est tout ki t'ap krasé pays a est-ce que nous a problème lè n'a fè politique ak moun ki pa comprendre lè n'a fè politique ak moun ki gen l'ambition lè n'a fè politique ak moun ki sans vision chargé compatriote ayisyen frèchèm. Moment arrivé pour nous mettre en bout dans l'émission pour aujourd'hui. Hein? Son véritable plaisir pour nous être là avec vous, pour nous porter information si là pour vous. Restez connecté avec Chanel là, rendez-vous en cassé dans une autre vidéo et n'a continuer voyer en pile énergie positive, n'a voyer des mots d'encouragement de sympathie et pour moun n'a ponsonde yo pour moun lot bonite qui ont même frappé par drame par situation tragique ça à cause nous pas gain l'état dans pays non. Restez connecté avec Chanel là pour cette formation yo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat.